Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo pour un petit couteau. On va parler de Bestek, une marque hein, dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois. Bestek qui a pas mal évolué d'ailleurs ces dernières années, en devenant un peu plus premium, comme a pu le faire Civivi hein, par exemple. Et donc, comme Civivi qui a créé Sunkut, Bestek a créé aussi sa marque entrée de gamme, Bestekman, et du coup la marque Bestek à côté a continué à monter en gamme. Mais ces derniers temps, ils ont surtout beaucoup misé sur les designs très prononcés, un peu futuristes, agressifs, bref, ils font pas mal en dentelle et ils se démarquent du coup de toutes les autres marques du marché grâce à ça. Pour arriver d'ailleurs, ils font appel à des grands noms du couteau hein, comme Kombu ou Ostapel, hein, comme pour ce petit BI que je vais vous présenter tout de suite. Une longueur totale de 13,2 cm, une longueur fermée de 8 cm, une longueur de lame de 5,5 cm, une épaisseur de 3 mm et le tout pour un poids de 50 grammes. Et dans un premier temps, c'est vrai qu'un couteau comme ça, on peut se demander quelle est vraiment son utilité. Mais on trouve assez vite la réponse quand on l'a en main. Alors, déjà avec cette taille et ce poids là, c'est l'idéal à porter au quotidien, honnêtement. Vous l'oubliez tout de suite dans la poche. Son clip offre pas forcément un port très discret. Et bon, alors, est-ce qu'ils avaient franchement le choix sur un couteau de cette taille-là hein? À mon avis, ils pouvaient peut-être pas faire mieux. Et puis surtout, honnêtement, ça, moi, je le mets directement dans ma poche. Je me fais pas chier à l'accrocher au clip. Donc, c'est vraiment qu'un détail. Donc, après l'avoir sorti de la poche, hein, forcément, ce couteau, vous voulez ouvrir pour pouvoir l'utiliser. Et là, vous avez le choix. Grâce à ce petit flipper, front flipper, très bien réglé et très bien placé, voilà, au sommet du couteau, qui fait que vous pouvez l'ouvrir soit façon front flipper, avec le pouce, directement. Une simple pression, ça s'ouvre tout de suite. Vous pouvez également le faire façon flipper classique avec l'index. Et pour ceux vraiment qui n'aiment pas les flippers ou qui ont l'habitude d'utiliser d'autres méthodes, vous avez toujours le trou dans la lame qui est ici. Mais honnêtement, il est un peu plus galère à attraper que le flipper. Et du coup, c'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins pratique à aller chercher. On peut même le rater pour le coup. Alors que le front flipper, honnêtement, juste une simple pression à mettre et ça s'ouvre tout seul. C'est franchement impossible de le rater à chaque fois. Notamment grâce au roulement à billes au niveau du pivot. En plus, au vu de sa taille, il fait pas énormément de bruit hein, quand on le fait claquer. Donc c'est franchement l'idéal pour jouer devant la télé. Et ça emmerdera pas madame tant que ça. Et une fois ouvert, du coup, vous vous retrouvez avec un petit couteau qui est franchement idéal, qui tient parfaitement en main. Ça tombe très bien, hop, pile dans la main, quelle que soit la prise en main utilisée. Les plaquettes en G10 et la façon dont elles sont travaillées offrent un bon grip. Il est petit, mais bon, le manche reste quand même largement assez large, ce qui fait que c'est quand même très confortable. C'est pas tout fin comme on peut avoir sur certains couteaux. Franchement, quand on l'a en main, on est très bien. Et le petit plus, c'est que ce clip-là, qui au final, d'ailleurs, n'est pas utile, hein, donc on pourrait même le retirer, mais même sans le retirer, on ne le sent pas du tout. Ça tombe vraiment bien là, dans l'interstice des doigts, ce qui fait qu'il n'est pas du tout gênant. Donc ce petit manche assez surprenant au niveau de sa taille et de son ergonomie, sert à pouvoir utiliser une lame tout aussi étonnante, ou en tout cas qui ne laisse pas indifférent hein, avec sa forme hawk bill, comme les serpettes, quoi, si vous voulez. Elle est en acier 14C28N, elle est vraiment acérée, hein. Dès la sortie de boîte, c'est un vrai cutter. Elle est très très peu marquée comme j'aime, hein. Comme vous voyez, rien de ce côté-là, et uniquement le nom du designer, ici. Sur le dessus, deux Jinping, pour avoir un maximum de grip, hein, quelle que soit la prise en main. Et d'ailleurs, pour avoir ces différentes prises en main, on a un beau finger choil que pour une fois, je trouve pas déconnant. Habituellement, sur les couteaux, je déteste ça, les finger choil, parce que je trouve vraiment qu'on perd une partie de la lame et surtout une partie du tranchant qui pourrait être utilisable. Je trouve ça inutile et en plus, des fois, ça dénature carrément le design du couteau. Mais sur un couteau de cette taille-là, honnêtement, ça prend tout son sens, hein, tout simplement en nous offrant pas mal de prises en main différentes pour le rendre encore plus polyvalent. Mais par contre, en contrepartie, forcément, ça veut dire un peu moins de tranchant utilisable. Donc, entre sa taille et le fait qu'elle soit courbée, c'est vrai que la lame n'est pas très polyvalente et pas avec lui que vous allez faire la cuisine, hein, très clairement. Par contre, pour les coupes de précision, c'est vraiment un bonheur. Il est redoutable, hein, du coup, moi, je l'ai tout le temps en poche au boulot, que ce soit pour les cartons, le câblage, etc. Il est toujours prêt au fond de ma poche. En plus, avec ce flipper qui marche du feu de Dieu, là, c'est vraiment un bonheur. Hein. Même si j'ai une main prise, je peux l'utiliser sans problème. Donc, j'avoue qu'au début, je l'avais pris pour le design, mais c'est au final une très très bonne surprise. Le reproche que je pourrais faire à ce couteau, par contre, c'est son prix. En moyenne, on le trouve à 80 euros. Et pour un couteau de 50 grammes avec une lame en 14C28N, c'est un peu cher à mon goût quand même. Après, comme je vous l'ai dit au début, hein, Bestek monte en gamme. Et niveau qualité, finition, ajustement, on ne peut juste rien leur reprocher. Tout est bien ajusté, il n'y a rien qui dépasse, tout est vraiment fluide. Les platines, malgré la taille du couteau, ont été ajourées. La lame est bien sûr parfaitement centrée. La seule vis qu'il y a est bien intégrée au manche. Celle-là, honnêtement, bah, si on dégage le clip, elle peut se dégager. La vis de pivot est très sympa, avec le petit logo Bestek. Que ce soit au niveau de la construction ou des finitions, vraiment rien à dire. Bon, à part le clip, hein, qui est un peu moche et qui offre pas de port discret, mais honnêtement, je suis pas sûr qu'ils auraient pu mieux faire avec un couteau de cette taille-là. Voilà pour cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Que ce soit le couteau ou la vidéo d'ailleurs. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre également un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao !